Si t'en as marre de te faire carotte pareillée et que tu veux des points FIFA et des crédits pas chers, va sur FIFA Coins Buy, le lien est dans la description et t'as 3% de réduction avec le code OVERTAKE. Alors salut à toutes et à tous, ici OVERTAKE, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier je vous ai fait le SBC du joueur de l'année, voilà, du joueur le plus jeune de l'année, voilà. Enfin bref, de Première Ligue, c'était Dele Alli, voilà, je vous ai fait son SBC hier. Je comptais pas vous faire celui d'N'Golo Kanté aujourd'hui, mais vu que vous me l'avez demandé hier, et puis voilà, j'ai peur de pas avoir le temps dans la semaine, enfin bref, du coup je vais vous le faire aujourd'hui, voilà, je vais vous montrer chaque équipe. Une par une, le moins cher. Alors voilà, moi je vous, voilà, je vais vous dire les prix. Sur PS4, c'est 1 million 70 000 quelque chose et des poussières, tu vois. Et sur One, ce sera du 960 000, 965 000, je sais plus exactement les prix. Enfin voilà, du coup voilà, là, je vais lancer le truc. Bon bref, je regardais juste le screen sur la gauche. Enfin bref, on va commencer avec la plus simple, hein. Bon, il n'y a pas plus simple. C'est la première. Bon, certains, c'est vrai que quand ils n'ont pas compris, joueur rare, zéro exactement. Enfin bref, ils n'ont pas compris. C'est simple, hein, c'est N'Golo Kanté, soit boost, soit OTW, ce que tu veux. Bon, le moins cher, ce sera le boost 85. Voilà, qui reviendra 260 000 sur One et 300 et quelques mille, enfin 314 000 sur PS4. Du coup maintenant voilà, je vais plus trop citer les prix par truc, j'afficherai juste les screens avec les prix. Donc voilà, donc on va maintenant passer à l'équipe de la semaine. Donc voilà le screen tag. Donc voilà, donc en soi le SBC, hein, de toute façon il n'y a pas d'équipe je crois qui coûte en dessous de 100 000, à part quand qui doit coûter 14 000, quelque chose comme ça. Le SBC coûte assez cher, en même temps la carte le mérite, je dirais. Il a 92, le mec c'est Messi, tu vois, il est juste monstrueux. J'ai envie de le faire, je vous avouerai, mais je préfère garder mes crédits pour la TOTS, et puis voilà, pour tout simplement. Enfin bref, maintenant on va passer à l'équipe à surveiller, c'est-à-dire en gros avec 3 joueurs OTW en fait, exactement. Donc voilà, tac. En plus, si vous avez des joueurs là parmi toutes ces équipes dans votre club, franchement bénéfique pour vous. Alors moi j'ai fait mon calcul avec les joueurs que j'ai dans mon club, tout ça, j'ai certains OTW et tout ça. Le SBC me revient à moins de 200 000, à moins de 200 000, du prix de... Ouais, en gros il me revient à peu près à 800 000, hein, 800 000, si c'est pas un peu moins. Bon, ça pique toujours, mais c'est déjà mieux que le 1 million, tu vois le délire. Enfin bref, on va passer maintenant à couvrir la terre ou je sais pas quoi. Bref, en gros il faut 87 de notes avec 11 nationalités différentes. Donc voilà la petite équipe. Oh, je commence à fatiguer là, je suis comme... Ah, ces derniers temps, je suis complètement pété. Hein, je pense que ça se voit là, dans les vidéos, comment je parle là, je suis... Waouh, je suis out. Enfin bref, maintenant on va passer à l'équipe de Chelsea. N'hésitez pas à mettre des pauses, hein, les gars, entre chaque bail, histoire de, tu vois, si je vais trop vite ou quoi, ou prendre votre screen. Enfin, tu vois le bail. Tac, Chelsea, tac. Les prix, les gars, si vous les voyez pas, ils sont en bas à droite. Information sur les prix, voilà, en bas à droite du screen. C'est fait pour Chelsea. Maintenant on va passer à Leicester City. Ok. Enfin voilà, tac. Il y a 8 équipes par contre pour celui-ci à faire, contrairement à Dele Alli où il y en avait seulement 6. Voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il coûte un peu plus cher. Tac, c'est fait. C'est fait. Maintenant on va passer à Caen. Voilà, Caen, je vous ai dit, c'était le moins cher de tous. Et je me suis pas trompé. Voilà, 12 000 pour 13 000 sur One. Enfin bref. Très bas prix, hein, mais en soi, il n'y a rien de bien compliqué, tu vois le délire. Ok, c'est bon, c'est fait. Quand vous avez fait, quand c'est bon, c'est fini. Il se finit. Et maintenant, la France, hein, voilà, le dernier, qui coûte pas cher aussi, bon, par rapport aux autres, quoi. Il coûte 75 000. Les autres sont tous dans les 100 000, tout ça, enfin bref, pas celui-ci. Donc voilà, les gars, je vous ai affiché tous les screens, donc voilà, maintenant, voilà, je vais tout enlever, tac. C'est bon, vous avez fini? Bon, c'est bon, on enlève. Donc voilà les gars, la vidéo elle aura été très très courte je pense, hein, mais bon, j'ai rien à dire. La vidéo, il y aura eu pas mal de blanc je pense de ma part, mais j'ai rien à dire, à part que la carte est monstrueuse. Voilà, c'était plus pour vous aider, parce que y en a certains qui comprennent pas, voilà, forcément tout ça par rapport à SBC, tout ça, au moins ça sera clair. Et puis vous pourrez le faire pour ceux qui ont les crédits. Après, on m'a demandé pour Dele Alli, est-ce que ça valait le coup de le faire? Parce que, oui, est-ce qu'il aura une carte TOTS ou je ne sais quoi? Moi, je vais vous donner mon avis. Je pense qu'il aura une carte TOTS. Après, est-ce qu'elle sera aussi lourde que la SBC? Je ne peux pas vous le garantir. Je pense pas trop. Hein. Kanté,
Je pense qu'il sera tot. Et s'il est tot, il y a. C'est les... Ouais, c'est limite sûr hein, qu'il sera tot. Je pense qu'elle sera plus haute que 92 par contre. Hein. Parce que quand on voit que sur FIFA 16, sa carte tot, elle était à 88. Hein, d'ailleurs, je l'avais packé, ce serait bien que je l'ai packé cette année. Je pense que là, il y a moyen soit aux alentours de 95, tu vois, facile même, tu vois, facilement, si ce n'est plus. Du coup, ouais, non, Kanté, N'Golo Kanté, moi je préfère attendre les TOTS pour peut-être tenter de le packer en TOTS ou voir l'acheter en TOTS, tu vois. Je pense que ce sera plus rentable que faire SBC certainement. Enfin bref, sur ce, cette vidéo les gars touche à sa fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait plaisir et qui encourage, le partage, le commentaire et t'abonner si t'es pas abonné, tu vois, comme d'habitude, rejoindre la famille, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller me follow sur Twitter et sur Twitch les gars, surtout Twitch, parce que voilà, je fais souvent des streams comme ça, t'es là, on partage, on parle en live et tu connais ceci et cela. Et puis que dire de plus, et puis Twitter, parce que si t'as des questions, je réponds directement, je suis un mec vif, notification hop, on répond direct. Toi, c'est ça les bails. Sur ce, moi je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de votre famille, parce que c'est le plus important. À côté de sa FIFA, on s'en bat les couilles. C'est Overtake. Prenez soin de vous. Ciao les gens.